keep it together. Let's try to keep us together. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en draft. Ce n'est pas une vie à la draft, c'est une draft aléatoire ou une draft au hasard. Que je m'explique, je vais déjà lancer une draft, voilà. On va payer les 15 000 crédits. Je vais seulement, mais je vous dis seulement, choisir deux choses. Le premier, c'est le dispositif. Voilà, donc j'ai le choix entre 4-3-3-9 et tout ça. Alors soit on prend, je préfère prendre le 4-3 basique, ok. Ensuite je prends juste mon capitaine, voilà. On a joué avec Messi, Totti ou Sheridan, Shaqiri. Il y a souvent des bébés qui tombent je pense, donc peut-être pour quoi que. Allez, on prend Messi, Totti ou pas. Ouais, on prend Messi, Totti. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur le triangle et ça va compléter automatiquement ma draft. Donc en gros, là, c'est un peu comme un Pokémon. Si j'ai de la chatte, j'ai des bons joueurs. Si j'ai pas de chatte, eh ben, ça va être le bordel. On appuie sur le triangle, vous êtes prêts? 3, 2, 1, on appuie. Ah merde. Oui. Et on tombe. Ouh, ta, 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 ta. Oh là là. Ouh, devant, c'est pas mal. Gundogan. Oh, oh. Hey, j'ai aucun joueur de BBVA. J'ai aucun joueur de BBVA. Ah si, j'ai Sergio Roberto. Eh, l'équipe est pas si dégueulasse que ça. Alors, on va mettre comme ça pour le collectif. Carrick là, à gauche, alors à gauche, vite fait qu'on fasse le tri. Donc je pense que je vais aller, je fais une coupure et je vous retrouve dès que j'ai fait l'équipe. C'est plus simple pour vous. Donc les amis, je vous reprends. J'ai fait de mon mieux pour l'équipe, donc pas énormément de changements quoi. On a devant une attaque Royce, Martial ainsi que Messi, Totti. Au milieu, on a Sergi Roberto, Carrick et Gundogan in form. À gauche, Kurzawa dans l'axe. Clichy, Cosigny à droite, Pépé et dans les cages, Joe Hart. Donc j'ai fait vraiment de mon mieux. Alors j'ai pas mal de petits joueurs un peu de Bundesliga. J'ai essayé un peu de faire un petit truc avec notamment Ravi Martinez, Korb, etc. Avec les Gundogan, pourquoi améliorer. Mais non, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'une des meilleures équipes que je peux faire. Donc elle est correcte. 91 de collectif et 84 de notes. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs qui ne sont pas à fond collectif. Il y a 3 joueurs à 7, Martial, Carrick et Kurzawa, 1 joueur à 6, Clichy, 1 joueur à 4, PP. Je suis obligé de mettre PP, hein. J'ai essayé de mettre d'autres défenseurs droits. En gros, si je mettais n'importe quel défenseur droit, du genre lui, admettons, le collectif, on perdait parce que Sergio Roberto n'avait pas 10. Donc en gros, ça va, l'équipe est pas si dégueulasse que ça, on a quand même de la chance offensivement, qu'on a quand même des très bons joueurs avec qui je suis à l'aise. C'est un peu le problème généralement des équipes, c'est l'équipe offensivement, on a un peu de défauts. Et là, non, franchement, j'ai eu de la chance. Allez, on prend un entraîneur, alors là, faut pas faire son choix parce que... on peut améliorer un petit peu l'équipe. Je pense qu'on va partir sur le portugais, hein, c'est pour Pépé, il va passer à 5 de collectif. Ouais, bon, ok, dommage, j'aurais bien voulu avoir un petit entraîneur de BPL, ça aurait été le tip-top, mais malheureusement, on n'en a pas eu. Allez, c'est parti, on va partir pour le premier match, 92 de collectif, 84 de notes et 176 en total en note de général. Elle est correcte, hein, pour une draft aléatoire, pour une draft au hasard, donc c'est plutôt cool. Le seul petit défaut, c'est qu'on aurait pu avoir du type un petit Sergi Roberto Inform. On aurait eu Schneiderlin, franchement, ça aurait été tip-top pour Martial, pour le collectif. Malheureusement, on a eu Carrick. Sinon, côté gauche, Gundogan, Roy, c'est parfait. Hein, même club, même nationalité, donc les liens parfaits, c'est nickel chrome. Jouer match, c'est parfait. Allez, on va voir son équipe. J'espère qu'il n'a pas une très très grosse équipe. Oh, bon, 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 90 de collectif et 87 de notes. Thiago Silva, Totti, Xetch, Bellerin, Inform. Donc ça va être donc très très rapide dans l'axe. À gauche, Gaia, mes terrains, c'est peut-être Canas, je sais plus, avec Rames. On a du Léo Messi, Gareth Bale, Sif, je crois, Martinez et Kono, Pionka à gauche. Bref, très très belle équipe de BVA avec deux Totti. Donc ça va être plutôt pas mal. Allez, c'est parti, puis on se retrouve bien sûr pour les meilleures actions du match. Let's go. Et notre ami Bellerin. Allez, Sergio Roberto. On a des bons joueurs de passe sur le terrain, c'est cool. On a surtout un bon petit finisseur, le petit Martial. Bien joué, Martial. Bien joué, ça. Bien joué pour Gundogan. Ouh, putain. Très bel arrêt de Setch RB là. On a fait un bon petit truc. Ça aurait pu bien se finir. Malheureusement, Setch était présent. Marco Reus, c'est bien tiré. Gundogan, fin de frappe. Oui, magnifique, Gundogan. Et on est chaud là. Là, on est très très chaud. On aurait pu marquer quand même. Hein. Avec Marco. Oh, il va tirer celui-ci, oh là là, et trois trucs de suite, quoi. Le terrain, c'est pas top, hein. C'est pas top, l'équipe, elle est pas top. Jouer ça. Allez, Carrick, le bon centre, la tête de Martial sur la barre. Mais putain, ça va jamais rentrer.
Un peu lourd, je trouve. Allez, Martial, le départ de Anthony Martial, bien joué face à Hector Bellerin. Oh, t'es bloqué là. Un petit sang tendu, bien joué, la tête. Oh, mais putain, chaque fois, son gardien, il est là. Allez, Marco. Oh, c'est bien tiré, celui-ci. Oh, Pépé. Ouh, t'es pas loin de poser un beau but, hein. Bon, mes amis, c'est la mi-temps. Que vous dire qu'on domine. On domine vraiment de ouf, hein, de ouf, l'adversaire. Il a fait seulement un tir cadré. Des tirs très très lointains, hein, même limite du milieu de terrain, donc c'est pas dangereux du tout. On a fait beaucoup de tirs dangereux, sans ça c'est vraiment chaud, donc c'est très compliqué parce que cet tir B il est super super bon. Donc match tendu quand même si on domine, il a quand même une belle équipe, donc faut faire attention. C'est parti, seconde période. Oh, bien joué. Pour Martial, oui, bien joué. Voilà les amis, directement après le coup d'envoi de cette seconde période, Messi qui s'est faufilé tranquillement, qui a fait un petit service propre à Anthony Martial, qui a fait le geste qu'il fallait, le crochet sur Serge Aurier, et on finit du pied droit 1-0. C'était dangereux de ouf. Ouais, on va se prendre un but. Non, 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 non. Mais oh là là, cliché, mais putain. Bon voilà, c'est souvent le cas, généralement quand je marque un but, 3 secondes après je m'en prends un, mais putain, mais cliché quoi. Il tacle mais il lève même pas le pied quoi, regardez ça, on va voir ça au ralenti, vous allez rigoler. Il tacle, donc la balle bien jouée, bon, bel arrêt quand même, et là il tacle, mais il sert à rien quoi, le ballon il est là-haut, putain réfléchis. Voilà, qu'est-ce que je dis, on domine tellement qu'on va se faire douiller, c'est bien le cas, voilà. Il a Hector Bellerin et au physique il mange tout le monde. Oh mais ça va, en plus c'est de la chatte. Bon bah voilà hein. Malheureusement hein, la draft et le hasard ça porte pas ses... Je sais pas quoi dire quoi. Franchement je sais pas quoi dire. Il a tellement de réussite, j'en ai tellement pas dans ce match que bah, tout ce qu'il fait ça lui va quoi. Il fait un tir extérieur du pied gauche qui finit sur le poteau droit rentrant. Enfin trop de réussite pour l'adversaire quoi. Allez là, c'est peut-être pas fini. Oh, Messi qui fait des contrôles comme ça aussi, c'est inquiétant. Bien joué. Bien joué, 88ème, on arrive à marquer un deuxième but, mais bon, je pense que c'est plié. Dommage. Et Gundogan. Oh, mais merde, c'est quoi ce tir de grand-mère? Bon, les amis, c'est pas grave, on aura perdu, malheureusement. Bah, ça me fait chier, j'ai toujours des remords. On dominait, mais on dominait de ouf l'adversaire. On méritait largement de mener 3, voire 2 à 0. Malheureusement, bah, il y a eu beaucoup de réussites, j'en ai pas eu. Bon, c'est comme ça, il y a des matchs où fut ou tu domines de fou, t'arrives à marquer, ou il y en a, tu te fais dominer, tu gagnes, quoi. Bah, c'est comme ça. Ça vous le somme, parce que je l'ai vraiment dominé. Alors, l'équipe était franchement pas mal, très intéressant. Un petit défaut quand même à souligner, c'est le milieu de terrain, quoi, qui était. En gros, c'était ni DMOC, ni DMDC, ni DMC. C'était des joueurs un peu complets partout, mais pas assez complets, quoi. Tu vois, ils avaient pas de qualité, mais ils en avaient. Enfin, c'était un peu compliqué à expliquer. En gros, c'est des joueurs qui étaient pas très très bons. Carrick et Roberto régulars, ça que c'est pas top du tout. Mais bon, c'est pas grave. On a perdu, on va un peu statistique, parce que je pense qu'on devait facilement gagner le match, mais très très facilement, voilà. 10 tirs cadrés à 6. À la mi-temps, je crois qu'il y a 5 tirs cadrés à 1. Enfin bref, on devait énormément remporter ce match. Malheureusement, bah, ça s'est pas fait comme on pouvait. Ce n'est pas grave, on retentera notre chance, vous inquiétez pas. Si vous aimez un peu cette série, mais si vous aimez un peu ce genre de concept en draft, n'hésitez pas à me le faire savoir par le système des pouces bleus ou dans l'espace commentaire, ou proposez-moi un peu des petits trucs à faire en draft, pourquoi pas. Hein. Jouer avec les joueurs les plus rapides, les plus grands, les plus petits, enfin bref, à vous de me dire. Mais en tout cas, quand on a ultra dominé l'adversaire, c'est surtout la première période qui était clé. Qu'on a eu des actions, je crois qu'on a eu 3-4 actions consécutives où il a fait des arrêts de grande classe, 7 RB quoi, record breaker, malheureusement on a perdu. Bon, c'est pas très grave, mais quand on voit les statistiques, il y a un peu de remords, sachant qu'il met un poteau rentrant, enfin bref. Bon, c'est comme ça, on va pas tout le temps gagner. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo en draft vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si vous kiffez les drafts un peu hasard, les drafts aléatoires. C'est vraiment cool. Moi j'ai bien aimé. On a une équipe correcte, offensivement c'était pas mal. Bon, le milieu de terrain quoi, c'est jamais parfait quoi. Généralement quand moi j'ai une draft, c'est rarement parfait quoi. Soit t'as un gardien qui est pété, soit t'as une défense qui est en mousse. En bref, c'est rare d'avoir vraiment des équipes équilibrées de partout. Et c'est vrai que mon milieu de terrain, Carrick, Sergi Roberto, ça prenait un peu l'eau. Mais bon, c'est une draft aléatoire aussi, hein. C'est pas moi qui choisis mes joueurs. Sinon, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Rodwell, ok, alors les packs en draft sont toujours aussi pétés. J'ai l'impression que tu gagnes une draft ou tu peux au premier tour, c'est pareil. Les packs, c'est les mêmes, quoi. Enfin, t'as toujours de la merde. T'as toujours de la merde. Mais bon, c'est pas grave. Alors lui, va prononcer son nom.
Lechonolian. Alors, Renei, oui. Lechon. Putain, Lecholonian. Ouais, bien sûr, le commentateur, il doit galérer de ouf. Hein. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et on se retrouve, bien sûr, très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.